Je veux juste dire un truc, je veux juste dire un truc important. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en parler avant le match contre le Mali. Je fais un appel comme toujours. Je fais d'une pierre deux coups. D'une pierre trois coups, parce qu'il y aura la Suède aussi. Je sais que nos compatriotes vont venir nombreux à ce match-là. On est un peuple hyper accueillant, et c'est pas des grands mots. On a pu le voir sur les yeux méditerranéens. On sait qu'on est. Donc moi, ce que je souhaiterais, parce que des fois l'image, la dernière image qu'on montre, c'est pas la vraie. Je souhaiterais vraiment que sur les hymnes nationaux, on respecte ça. Jumhurna, ils viennent. On est tellement heureux à chaque fois de jouer, parce qu'on sait qu'on va. On est une des rares équipes au monde qui pouvons remplir n'importe quel stade, quasiment partout dans le monde. Donc ça, il y a pas d'équipe comme ça. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Walekin, il faut aller jusqu'au bout de cette qualité et montrer à quel point on est respectueux des autres nations. Donc, on va commencer par le Mali. Il y a leur hymne national, on respecte ça. Comme Hena, on ne veut pas qu'on nous siffle notre hymne national. On respecte leur hymne national, on écoute ça et on passe à notre hymne national. Et j'espère que voilà, sur le Mali, sur la Suède et surtout sur le Chan. Voilà. N'oubliez pas que le Chan, ça sera aussi une expérience pour une éventuelle compétition en 2025. J'ai FM. Ça va bien. Zertube, أول قناة إلكترونية في الجزائر.